D'un côté, c'est une question. Putain. Selon les vidéos, ça Star Wars Battlefront 2. Selon moi, c'est un jeu qui est mieux que Call of Duty. Bon, ça fantasme, je peux acheter. Bon, évidemment, hein, là, tu dis oui, mais alors pourquoi t'es en play game? Parce que voilà, ça fantasme, je peux acheter un audio. Bon, c'est normal si je suis un peu nul, mais bon. Voilà quoi. Je sens les gens, je sens qu'à la fin de la vidéo, j'aurai au moins 15 kills. Voilà. Donc là, on est dans une map que j'ai jamais été encore, c'est Naboo. Voilà, dans cette planète. Par contre, il faut faire gaffe pour mourir. Bah oui, mais c'est normal, c'est un jeu de cartes. Et moi, les gens, selon moi, ce jeu, il est largement mieux qu'était petit Call of Duty Battlefront. Oh, c'est bon, c'est bon. J'ai la remarque. Oui, mais parce que tu l'as dit, je te fais. Non! J'ai un temps, je pouvais plus tirer, mais bon. On va pas se trouver d'excuses, on va pas se trouver d'excuses. Vas-y, le petit commando, comme d'hab. TMT touché, il perd de l'énergie. Vu FPS, c'est ça, j'ai un peu joué. Parce que tu peux mettre la vitesse, tu peux mettre en vue Call of Duty GTA. Bon, moi, parce que je préfère la GTA. Ouais, c'est vraiment quand je vis. Au début, je vais mourir, c'est normal, mais bon, à la fin, je sens qu'à la fin, je bombe. Ou pas avancer la vidéo, puis tu m'en attends, c'est ma prédiction terrestre. Puis j'allais au moins avoir, je sais pas moi, plus qu'à 10 kills au moins, plus qu'à 10 kills. Mais c'est dans ce jeu-là, 10 kills par game, c'est quand même pas assez là. Il y en a qui te demandent des 60 kills par game, mais bon. Oui, non, parce que les games sont 100 fois plus longues que ce Call of, bon, ça dépend aussi. Attention, chef ennemi dans le secteur. Oh. Ah, mais je suis con. On a manqué notre coup. PMT est en position. Je suis con. Si j'ai des trucs. Je du con, c'est déjà des trucs. Pourquoi t'essaies de casser? C'est déjà des trucs du con là. Allez, respawn, allez, ça se cake. Voilà. On peut faire ça, ça doit un peu checker avant de répondre. C'est stylé. J'avais remarqué Hugo par défaut. Let's go les walls, let's go, let's go. Let's go les walls, let's go. On fait deux games, les gens, les games, certains, les games. Lance l'assaut. En plus, non, je suis content de jouer à un jeu. En plus, ça, je le préfère en plus que le paquet outil Call of Duty. Je pense que c'est Darth Vader avec son épée laser qui me tue. Voilà, il y a un petit gameplay truc sur. On va prendre le champ là. Hello? D'accord. Je vais pas couper son montage, hein, je laisse. D'accord les gens. D'accord. Je ne comprends pas. Ah! Ça va être rempli, je vais se sculpter.
Attends, connectez-vous pour plus de fonctionnalités, attends. Que ça marche, est-ce que ça marche? Que ça marche, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. Ça marche. Après, on va aller en multi, on va faire Assault Galactique. Assault Galactique, c'est le mode de jeu qu'il y a dans tous les jeux, genre. Il faut aller faire un objectif. En fait, comme tu sais, Star Wars Battlefront, c'est comme un peu Battlefield, mais en mieux. Puis en version Star Wars. En fait, les gens, ce que j'aime vraiment le jeu, c'est que ce soit en Star Wars. Ça si attends, si le jeu c'est en Battlefield, bah c'est peut-être que je l'aimerais mieux. Peut-être que si le titre serait Battlefield, je sais pas quoi, peut-être que je l'aimerais moins le jeu, je sais pas. Parce que si en fait genre, je l'ai acheté, c'est parce que déjà, c'est un style de jeu que j'aime dans un jeu de guerre. Et en plus, Star Wars, c'est une licence que j'aime. Alors, voilà quoi. C'est le combo parfait pour moi. Ce jeu, c'est le combo perfect. En plus, mais il y a plein de modes de jeu super cool. Ah, mais bon. Ah, oh, on est avec les droïdes, ça coule. Ah ouais, frère. Il faut 300 points. Attends, attends, attends. Go, go, go. Ok, frère. Moi, je veux conduire ce coup, machin. Déjà, parce qu'il m'a donné aussi envie de jouer ce jeu. Parce que j'ai vu. Je connais un youtubeur, ça s'appelle Battlefront. Parce que je le connais, en fait, c'est un gars qui fait plein de jeux sur Stage Battlefront. Qui sont vrais, voilà, les gens. Aujourd'hui, c'est pas des fake news par maintenant, lui, c'est des vrais news. Qui a vu, qui est officiel, hein, qui sont par. Qui sont officialisés par Twitter, parce que c'est des posts, voilà. Et. En fait, ça m'a donné envie de. En plus, comme je dis, j'ai peut-être jamais tombé sur cette map, là. Là, vas-y, on va prendre le petit droïde. Ah, j'ai vu les dégâts. Les elfes. Oh, frère. Ah, ouais. On va mettre ce qu'il y a sur le stade. Oh, ça va, les gars. Oh, tranquille, ma famille. Oh, 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 oh. Voilà, je suis venu là. Tranquille. Non, mais bon, là. Le mec il est. Non mais frère, le mec qui s'est tué pour m'écarter mes chevaux ou quoi? Oh. J'ai vu les 300 points à faire. Ah, les gars, là. Je me parle parce qu'on a les 300 points. Hein. Ah, voilà, pas de. Pas de balle. C'est moi. Non. Et j'ai trois. Non, il y a quelqu'un qui l'a pris, fils de pute. Je vais te niquer ta daronne dans son. Avec chute. I am taken. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est fucking gros. Hein. Ça prend genre toute une ruelle, les potes. Oui, les petits tunnels. Ah, check it, Armador. Voilà, un peu tout le monde complet. Il faut beaucoup d'XP. Là, c'est cool dans ce jeu, là, c'est que. Si tu gagnes pas selon ton nombre de kills. C'est comme sur le nombre de scores, c'est mettons. Tu fais 3 kills, mais que ton score, c'est d'admettons, genre 10 000 points, tu vas gagner la partie pendant que c'est mettons. Tu as genre 41 kills, puis que tu as juste 2 points, bah tu seras pas le premier de la game. Ah bah non. Et ça, c'est stylé. Parce que tu sois fort ou pas, bah, tu peux être le premier banqué. Ben non. Parce que c'est vrai que pour avoir des points, il faut être fort, mais. Et bref, non, c'est vrai que. Comment tantôt qu'on voyait un lancement chouard, tantôt ça m'a rapporté des points. Comment tu. Oh oh oh. Ok, il est passé. Attends là. Le bagnard, en fait, c'était caché. Vas-y, faut en prendre le vaisseau quoi. Ça pourrait être sympathique quand je pourrais vous montrer un gameplay vaisseau. Ouais, go, vas-y. Non, en fait, parce que j'existais entre le vaisseau. En fait, je voulais prendre le vaisseau genre qui a le moins de points. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok, allez, bien essayé, mon pote. Voilà, je vais essayer. Qui boit du café. En étant j'ai piqué. Ah d'abord je vais faire un peu de trou et je vais faire repartir.
Non. Erreur. Vas-y, gay. Artillerie, on bat les couilles. Bleu. Allez, bon, je pense que c'est pas moi. Toi, parfait, quoi. C'est moi qui se posais de conduire à vous aussi. Ah ouais, mais on est dans mon équipe, un peu, je te rebouffe. Je peux pas te tuer, parce que sinon. On va monter de toi. Vous croyez qu'on allait pas le faire? Je pense que c'est quand même qu'on allait pas le faire. Ok. 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 Attends, si j'ai vu une place qui était prête pour ça, là. J'ai encore pas vraiment mal parce que j'ai choisi d'apprendre mon truc. Là, je vais utiliser la bonne chose. Ah, je suis désolé. Je sais que c'est moi, ben après, je vais être en train de me faire. Vous en pensez des petits bruitages du jeu, ça, ils sont stylés, en plus que les graphiques, c'est assez beau en comparé B ou 3, oui mais bon, c'est quand même assez beau, bah, hein. Mais les graphiques de Battlefront 2, c'est une tuerie, non, Benjamin, Star Wars Battlefront 2, c'est une tuerie les graphiques, toi, c'est plus beau pour 4, bon, peut-être pas à ce point-là, là, mais voilà quoi, plus beau que GTA 5. Ils sont des dégâts, enfin, mais tantôt quand ça va être déco quand même. Mais est-ce que dans le temps ça va faire un petit gameplay genre un coup je vous montre ça faire les gentils. Bon en même temps ça ressemble à la même affaire, c'est ce que nous les gentils il faut qu'on défende le truc sur cette map là, oui hein. Ça dépend des maps, mais il y a des maps que les gentils doivent détruire les trucs puis les méchants doivent défendre, mais là sur cette carte là c'est les gentils qui défendent les méchants qui défendent. C'est stylé parce qu'il y a deux fois là, il y a des jeux comme en même temps il y a certains jeux donc c'est toujours genre l'équipe qui représente les gentils qui doivent défendre, c'est toujours l'équipe de machin qui doit péter pour la pièce pendant que là mais ça varie selon la map, donc là dans cette map nous donc les droïdes on doit péter, mais dans d'autres maps en même temps c'est les gentils qui doivent briser les choses, comme il y a d'autres maps c'est les droïdes qui défendent. Ah bah j'ai eu des choses, c'est pas toujours des droïdes, hein. Ça dépend de la map, hein. C'est ce qui est stylé aussi. C'est qu'il y a des maps, on est des Stormtroopers. Puis il y a des maps, on est des droïdes, comme il y a des maps, on est des voilà, quoi. Non, maximum, mon dieu. Et en fait, je crois que c'est fait, en fait. Hein. Moi, si je sais, mon dieu. Position phase numéro 1 terminée avec 16 secondes d'avance. Ciblez les drones à proximité et préparez-vous pour la phase 2. Déployez la force minimale nécessaire. Oui, d'accord, mais voilà.
déjà, comme je dis, toi qui sais, tu peux décider ta vue FPS du FPS. Attends, on va te frapper, ça peut être mal. PD, il reste plus de vie. Je comprends quoi. Non, vas-y. Progression acceptable. Unité tactique en soutien. Tu peux aussi décider ton épaule, tu peux décider en temps si tu as la vue par l'épaule droite ou l'épaule gauche. Donc moi perso je préfère l'épaule gauche. En fait sur l'œil, c'est la vue j'aime l'épaule droite. Parce que ça fait un peu. Je trouve genre la caméra est peut-être trop sur le côté genre lorsque c'est l'épaule droite. On est ulti gang en termes de points. Hein. Pourquoi genre en termes de gameplay on se croirait vraiment dans un juste on croirait vraiment dans un film Star Wars hein, genre les batailles sont épiques hein. Tu sais, vous voyez comment c'est épique, mais il y a des balles de partout, il y a des grenades de partout. C'est comme dans un film de fois, dans un film Star Wars, tu vois des plans genre tu vois tout le monde des balles, tu vois des grenades partout, tu vois tout le monde, mais là c'est pareil. Je me sens vraiment comme dans les FM Star Wars en fait, c'est vraiment stylé. Donc, et par contre le jeu, comparé à Star Wars Battlefront 1, lui, il n'est pas décelé genre Star Wars Battlefront 1. Je vous dis, je sais que ça a été abandonné très facilement le jeu, hein, genre les gens ont été tués après un peu. C'est moi, mais ce jeu-là, parce qu'un autre est assez cher. Il marche pas super bien. En sachant que moi le jeu, je l'ai ben moi je lui genre attends j'ai eu ma PS4 le 13 décembre et ouais. Mais normalement j'ai eu le jeu je pense si m'en rappelle bien lui c'est 4 jours après sa sortie si m'en rappelle bien c'est 4 jours après sa sortie que j'ai eu ou une semaine c'est soit une semaine ou 4 jours mais bon moi il me semble que c'était 4 jours après sa sortie j'ai eu. Oh, il y a déjà un peu ça sorti. En plus que c'est le premier jeu qui va sûrement appeler à moi que j'ai joué. Que si j'ai mon premier jeu de ce que j'ai fait. C'est stylé. De notre ton père bâtard ouais vraiment ouais, c'est muscle et tout il n'y a pas de muscle je suis à la station est je commence le piratage la république a recapturé les commandes de la porte est ouais. Reprenez le contrôle on va commencer le piratage. Mmh. En fait, le fait d'aller genre 17 tours à l'objectif, mais on va pas tout de suite. On va mourir. Ah, vas-y. J'ai tiré. On va pas faire tout de suite. Allez, je vais niquer lui. Je vais niquer lui. Oui, genre, lorsque j'ai dit j'ai niqué lui, moi j'ai l'impression d'avoir niqué lui. Je sais c'est quoi. Ça va être quelque chose. Oui, là, un truc qui coule les gens dans le jeu, c'est que t'as pas besoin de te payer pour être fort, alors je pense. En fait, le jeu. En fait, c'est pas fait tout. Bon, c'est vrai. C'est pas un peu tout le jeu, c'est stylé. Non, j'ai jamais compris c'est quoi le temps pay to play. Est-ce que pay to play
que le fait qu'un jeu soit payant. Quand on peut n'importe quoi. Enfin, est-ce que c'est fait qu'un jeu soit payant, un pay-to-play, genre tu payes ton jeu au jeu? Ben c'est logique parce que les 90% des jeux sont payants, alors c'est un pay-to-play. Alors moi, je dirais que Star Wars Battlefront c'est un pay-to-play, si, mais je sais pas, ça veut dire quoi pay-to-play? Si on parle du fait que le jeu soit payant, ben oui, frère. Tu payes pour le jeu parce que sinon, tu peux pas jouer, mais si mec tu l'achètes pas au magasin. C'est logique pour ça. Si, parce que tu l'achètes pour magasin, tu peux pas y jouer. Parce que si tu l'achètes pas, tu peux pas y jouer. Mais je sais pas, peut-être que j'ai jamais compris. En tout cas, je sais que quelqu'un s'est payé des choses pour être fort, pour gagner. C'est comme si sur Fortnite, tu as acheté un skin, puis que le skin est donné du top 1. Ça serait pas tout, hein, ça. Oh! Bada boom bim. C'est qui là, la communiqué? Vas-y, on va prendre le... J'ai un faux qu'on est docteur, ok. Je prends sur lui un peu. En tout cas, par contre, c'est lui que je prends le plus. Il me semble, je sais pas, c'est vrai. Mais genre, dans le premier Star Wars Battlefront, on pouvait spawn sur nos amis. Donc je pense qu'on peut, mais avant les gens, on pouvait pas spawn sur les amis, hein. Avant, genre, on pouvait juste pour faire des poussettes. Que genre, lorsqu'il y a le temps, genre, tu choisis ça. Lorsqu'il y a le temps, genre, on choisissait une chose comme la commande. On spawnait automatiquement à un endroit aléatoire de la map. On se prenait pas genre au Mexique là. Non, j'en pouvais pas se prendre sur nos amis en fait on choisissait parce que notre place on se prenait seul à un endroit et non frère, moi je vais le monter. Ok, non, et cop d'air. J'ai une genre de bombe comme ça, ça va être un peu plus. Les gens comme un bombe. Jusqu'à ce que les gens ici vont le faire. Vous voyez les gens, je vais avoir jusqu'à ce que. Vous voyez les gens, vous l'avez dit, genre, j'ai fait le jeu. Que je me. J'ai habitué au tout sans sa vie, les gens. À la base, je n'étais pas très habitué, je n'avais pas qui. Regardez là, les gens. Comment je suis chaud, patate. Oui, le mec, parce que le premier de la game, il a 10 kills. Il a 60 kills. Ah. Okay. Ouais. Lorsque les gens me disaient là, que c'est pas ce qu'il fallait, que je sois chaud, hein. Puis que je fais la vie de tout, j'étais pas du fake Gustave Café, quand même. Bon, ben, c'est tout pseudo.